m'a dit tête moi Désir Venès et n'importe moun k'ap gade m k'ap tande m la ndame yo dim nan commentaire que pral faire là selon yo même qui ça qui des tête bandi armé yo qui ça selon nous même qui des tête vive ensemble est-ce que ce bataille contre système y a fait ou dis moi est-ce que on bataille contre m'a connait j'ai dit là qui ça qui est dans tête yo et qui est-ce qui est monsieur ça yo bien que me connaît yo qui de moun dans secteur privé derrière yo yo qui de moun dans classe politique derrière yo yo qui de moun dans société civile derrière yo et yo qui de moun dans différents secteurs qui derrière yo mais monsieur baba nous menti et nous commençons à rêver trop loin et moi c'est que décision que nous prend pour que nous marchons craser commissariat yo moi comprendre que c'est dit nous le dit que ensemble de zone pour que la police pas exister dans zone ça yo et pour nous continuer à faire ça que nous-mêmes nous commencer faire sur les haïtiens même qu'a dit c'est bien côté mal calculé parce que je dis là bagaille l'antigen qui est difficile désir comment est mon frère. Blaise Peterson, nous continuons à faire résistance, qu'on est, et mauvaise nouvelle, et on est dans le pays, ça, lui permettre qu'on est ou pas qu'à bien, ou pas qu'à en forme. Parce que, l'on a regardé ça qui a passé dans le pays, Blaise Peterson, lui pratiquement bas à réfléchir. L'on a attendu, ensemble, monde qui dit aussi autorité dans le pays, lui pratiquement permettre qu'on a réfléchi. Pour demander, pour génération qui a fini après, malheureusement, génération pas nous, nous posons pas quelques questions. Jusqu'à présent, nous pas jamais qu'à une réponse. Et bien, génération qui a venu après nous, on a une réponse. Par une question qui a posé pire. Et réponse, tu as loin, loin, loin pour y rejoindre. Parce que, ensemble, monde qui a privé dans tête l'État, c'est des mafias, c'est des volets, c'est des criminels, c'est des assassins qui marient société avec bandits, qui rendent que bandits gagnent tout pouvoir dans le pays. Mais si personne, malgré gagner quelques membres, dans le conseil présidentiel là, qui va gagner une grosse assurance et faire connaître que force n'a pas venir attaquer. Ça n'a pas empêché de m'en déchaîner, de craser un pile bâtiment public qui sous juridiction yo, depuis plusieurs années. C'est comme ça. L'ennui Mati, qui était 21 mai 2024, là, gang Matissan démoli sous commissariat Matissan dans l'idée pour ne pas quitter force multinationale à jeune espace pour capable d'établir base. Ça que nous devons connaître et nous devons rappeler tout. 1er juin 2024, qui venu là, l'a fait 3 ans depuis que gang chassé la police dans son commissariat, si la Blaise Peterson. C'est toujours Franz LB qui est directeur général police nationale d'Haïti qui n'a pas décidé de faire. Rien. Policier a mouru, civil a mouru, commissariat a pas abandonné, commissariat a crasé. Franz LB toujours gardé même position. Selon un responsable américain, il y a un état pour acheter matériel, tant que machine, blindé, hélicoptère, qui bien équipé pour évacuation médicale, capable de faire repousser déploiement, mission multinationale, Kenya, malgré nous connaissons, ensemble, officiers, qui t'a doué, sorti Kenya pour venir dans le pays, depuis avant 18 mai, il était déjà rendu aux États-Unis d'Amérique. Et c'est même autorité américaine ça yo qui t'a confirmé t'a gagné une cinquantaine officiers ou des chefs mission pays Kenya qui déjà dans pays d'Haïti. Mais qui les force permettre que bandi yo senti tout puissant, yo fait ça yo voulez à katouyer kidnapper même lancer offensif en plus contre des bâtiments publics en dedans pays en Blaise Peterson. Après on a posé cette question. Les yon autorité qui dans le conseil présidentiel parler dans France 24 lui avoué force multinationale là pas gagné dans objectif yo pour venir attaquer bandi c'est si bandi attaquer yo bandi va bailler y a bailler bandi yo réponse le veut ça le veut dire Albert et tout de suite après yon média américain pas qu'on est diversion mais c'est lui même qui tout annoncé qui ont recul devenu mission dans le pays. Arrivé de ça, le veut dire.
Li vle di sa, jodi, bandi yo besoin des autorités à caractère, à dimension, là ou pas les plus respecter ça ou dit, qui pour marcher à l'encontre bandi yo dans base yo. Toutefois que nous rete, si bandi yo qui te kap marcher sur nous, blesse personne, dégâts qui a fait yo, y a illimité, n'a perdu tout ça qui n'a gagné de valeur dans le pays ya. C'est vrai, n'a prêté, n'a pas de haïtien, licence disparaître à tout peuple. Et c'est ça. Donna's, you can get more c'est than just ça. Amazing, delicious pizza. There's also... Conseil présidentiel n'a pas appliqué là. C'est ça fait que, ouais, y a une dimension laxiste. Je veux dire, qui est le plus gros problème qui est dans le pays qui est insécurité? Monsieur Damios, c'est question assainissement qui est intéressé. Parce que assainissement, il y a une taille là-dedans. Il y a un volant l'argent là-dedans. Mais pas ici, il y a besoin de prendre responsabilité. Toutefois, si vous voulez sauver la République, les personnes, parce que bagala extrêmement difficile pour les gens qui vivent dans le pays. Il y a divers secteurs qui ont l'obéi pété dans le pays. Dominique Sétéloi a déclaré que son Gary Conny, qui se jouait l'ONU, pas de premier ministre dans le pays. Goumé commence à éclater dans le pays. Pendant que M. Damien, dans le conseil présidentiel, les personnes toujours trouvé dans les possibilités pour désigner qui est qui vient premier ministre. Puis choisi dans 200 à où ça, 200 volants, 200 monde sans projet, qui viennent là ou qui entendent. Parce que, vous avez fait concession entre eux, 200 monde pour un seul poste. Comme si vous voulez dire que ça, vous avez pratiqué un bon bagage que vous voulez voter pour la République tout bon. Qui est la pied? Qui est la pied? Mais, il y a plus de monde qui garde l'Ikman de l'île comme un figu, un nègre, l'aile palais. Il parle avec ferme assurance. Bandit au paix. Bandi yo tremble, l'anikman de l'il parle, si le ta arrive dans tête CSPN, dans blesse personne, pour appeler moun yo fait quoi que monsieur ka fait qui joye. Li rete avec l'anikman de l'il, et moun organisation qui choisit l'anikman de l'il yo, pour yo faire valoir des choix que yo fait. Parce que, tenez, yon sa yon qui passe qui sans bilan dans l'administration publique déjà, qui pa ba pièce résultat dans l'administration publique là, yo vin là, yo vin régénérer tête yo, pour vin construire santé économique yo, pour vin préparer élection. Je dis à nous besoin yon patriote qui pourra aller en primatia. Parce que nous perdons la présidence déjà. Mais primatia, il faut que nous gagnions un haïtien authentique qui a réfléchi de l'autre haïtien qui pour permettre que l'insécurité que nous avons là pour ne pas plonger là-dedans encore. Parce que tout problème quand on a des pays qui ont la belle situation, c'est l'insécurité qui plonge là-dedans. Et suite, c'est l'insécurité a venu grâce avec corruption, assassin criminel. Qui passe dans le pouvoir et qui toujours a goumé pour continuer le pouvoir de l'invitation. Bon, l'éclair de Sivenès, c'est que je dis, hein, vous sentez que les gens de l'autorité capable, bon, pas les autorités, j'aime toujours dire, mais les gens de soi-disant de monde qui t'a déjà placé dans la chaîne commande et gouverneur le pays, hein, les que moun sa yo palé, yo renforcé action bandi yo. Et on dit tout que moun sa yo yo prouvé que comme si yo nan connivence yo nan concordat avec bandi armé yo. Mbago que problème non? Que nek ki gen zam yo gen de choix. Soit que yo déposé ou di moins yo reposé. Et nan ligne yo pralé là, y a pran ligne pour yo reposer. Parce que krasé commissariat boule commissariat, ce n'est pas action et pas action déposée, n'est-ce pas fait là. Et pas action déposée, ça n'est pas fait. D'ailleurs, yo clairement dit que yo paré, yo prêt pour mission. Et yo content parce que yo tué trois policiers qu'on y a pral touye et soldats étrangers. Yo tué trois haïtiens, yo pral touye blanc qu'on y a. Exactement. N'est-ce pas même fait musique, yo dit, y a paré tant de missions. Elle dit, n'est-ce pas qu'on connaît que comme si cause de peur la caillou, le fait qu'il y ait autant de missions après le vinyle. Même nous, je dis que nous avons presque montré que nous n'avons pas peur policier nous. Nous n'avons pas peur soldat FADH nous. Ça me dit, il peut être dur, mais c'est une vérité. C'est une vérité que lui. Imaginons que depuis plus que un mois, que l'an mois sans jour annoncé que la crasé prison quand il y a le cas élevé. Comprenez bien ça me dit, hein? Et si pas de connivence, concorde et sitirance, entre deux, les kenye les chaînes commandes de la police, de moun kenye les autorités, soit des autorités dans le pays, en pou depuis plus que un mois, un chef gang campé, qui l'a crasé prison, pas de côté moun le gete la, li crasé le vrai?
Et pas aucune disposition qui prend pour courir derrière ça. Et bien, nous pas nous camper avec boule figue nous. N'a parlé de autorité, n'a parlé de chef guenier. Non, en sérieux. En sérieux. France CLB pas regardez, la recevoir blindé. La recevoir blindé sans autre lié. Et même 16 comment CP ça sans autre lié pendant que Edgar le fils a dit que pas été était trop perdu et c'est même moment que dans même journée oui. Pendant toute cette après-midi dans soirée 18 mai oui, équipe et l'amour saint Jean crasé commissariat quoi des bouquets a crasé prison civile quoi des bouquets. Et puis sans autre était là, il y a vinzou que oh et si il y a vinzou ça et c'est pas les pour nous parler, nous parlons comme si c'est là, ou équipe dans l'autre sang qui me crasse payant, a demandé amnistie pour bandi. A demandé amnistie pour bandi. Je dis pas ça nous fait comprendre. Je dis pas ça que nous voulons faire comprendre là moi-même. Ah oui. Donc je dis hein, les que moi gardé moun sa yo. Moi di nou l'aide en pile. Et les que m'tendé Leslie Voltaire. Représentant famille Lavalas. Nan conseil présidentiel. Qui tourne Jaco capé de parler dans toute la presse en Haïti quoi à l'étranger. Et cap de qui bonne parole par contre côté joignyo. À moins que tu as en mission, mais on est qui c'est autorité, bah c'est même dans prise de parole, même à travers des interviews, bah c'est que des bagailles avant de mesurer. À moins que ça dit très bien et au compte pour qui sort-il. Amis internautes, moi yo, me permettre que entendez interview ça que Leslie Voltaire réalisé avec journaliste France 24 ça. C'est vrai en français, mais moi avec Desi Venès a fait un pile effort pour que nous mettions accent sur ensemble de points qui très importants que Leslie Voltaire lui-même lui dit dans l'interview. Nous pas retirer, nous pas mettre dans l'interview, mais n'a fait analyse, compréhension pas nous de ça que Leslie Voltaire dit. Parce que et pas nous tout capteur de Cap Gadem là cap comprendre des gros français. Que Leslie Voltaire dit. On comprend? Même parce que, moi avec Desi Venès, n'a fait effort pour que, si minimum compréhension que nous avons, pour que nous aidions à comprendre. Question insécurité, question assainissement, question politique, c'est ça parmi de grands axes, grands points. Dans l'interview que Leslie Voltaire a avec Média France 24, ou quoi qu'il n'y a plus que 89 pays à travers le monde, elle dit interview ça a passé. Je dis à moi que faut que nous ensemble regarder. Faut que nous ensemble analyser que je dis hein, que Haïti est-ce que n'a continuer prendre une équipe bonne sans aver? Est-ce que n'a continuer prendre une équipe bonne qui je dis là qui vient refaire santé économique yo? Est-ce que n'a continuer à prendre une équipe bonne et conze ou équipe bonne traite? C'est de questions que n'a posé zami internautes nous yo. Nous pral tande Leslie Voltaire à travers interview sa jam di an que moi ak Desi Venès nous pral analyser, nous pral regarder et nous pral questionner par rapport avec situation ça interview sa que Leslie Voltaire bay avec France 24 la zami internautes. An nous tande et n'a fait entrer sorti la donne en termes de analyse parce que monsieur clairement dit que mission 1, pas vin goumé avec bandi, mais c'est si bandi attaque yo, y'a vin goumé, y'a répond bandi yo. C'est la police qui pral goumé à bandi yo, et c'est la police, monsieur, mission a vini là, pour capable entraîner la police nan. Mais m'a dit, pour qui ça, tout bagay ça, et si que, nous te capable permettre que, nous, ben la police en moyen, j'en que en pile organise mandé ça, ben la police en moyen, ben la mais en moyen, et pour qui yon capable de résultat, parce que nous dit que la police est capable de résultat, pour qui ça nous oblige pour débloquer, nous sommes l'agent, alors que nous entendez bien,
et pas parole gouvernement pays Kenya ou nan yo dit que Kenya pas vin abou grand messi pour l'argent qui a payé on yo pral faire développement la caillou dans pays yo. Mais nous te gen doit permettre que l'argent ça vient entre en Haïti, mais aider la police là, augmenter ti kat et nèg yo, augmenter un petit bagage pour yo, permettre que on traîne l'équipe plus ou moins. Ça veut dire les ça police t'a travaille en plus et conformité et t'a on l'esprit posé pour t'es capable de travailler. Au lieu que c'est comme ça que nous pral permettre que officiers yo, soldats étrangers ça yo, pral toucher plus l'argent passé yo, alors que yo même, y a touché 25 000 goud, y a touché 30 000 goud, hein? Qui différence qui gagne? Et qui fiscal se pral dégager entre mission ça, policiers nous yo et soldats nous yo. En dedans de l'Alexis Voltaire, zami internaute moi yo. En dedans de l'Alexis Voltaire, et bah c'est vraiment intéressant pour zami internaute nous yo. Parce que là, il est vraiment important pour que nous gardions ça qui est comme réalité. Parce que ça, il est vraiment important pour nous garder et pour nous entendre Lesti Voltaire qui lui-même décide la façon parle pour que c'est comme ça qu'il peut des réponses en aller désir. Aïe, 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 monsieur là, monsieur dame, monsieur dame, monsieur dame, en avance et désir. Bon, moi, c'est que l'important, tant que j'en dis, pour moun yo ak zorey yo, prenons un petit temps. Pourtant, Lesti Voltaire, représentant famille Lavalas, conseiller présidentiel et dans le conseil présidentiel de transition. Et on est qui bien formé, pour certains. Mais moi-même, si je me pose peut-être une question sur la formation, ensemble de monsieur dame ça a gagné, est-ce que vous faites preuve des formations que vous gagnez? Parce que pour former, c'est à travers l'action que vous avez posé dans la communauté, mais ça, monde a privé comprendre tout bon vrai. Que vous formez parce que vous mettez formation à la disponibilité des autres. Si vous avez essayé de regarder, arrivé monsieur Damsayo, dans notre pays, il n'y a pas inspiré espoir et confiance pour le changement de la République. Bagan apparaît extrêmement triste, inquiétant en pile, et au parouet, on levier que monsieur Damsayo, à travers le conseil présidentiel, il a essayé d'autres moyens qui permettent que Bagan aille plus rapide, qui cabrène que mon yon gale en souffle. Avec présence conseil présidentiel là, beaucoup plus de dégâts privés faits en d'un pays là que pas même imaginer que soit Ariel Henry. C'est sous conseil présidentiel là ensemble commissariat ça au crasé. Exact. C'est sous conseil présidentiel là, c'est notre démarche pour conseil présidentiel là. Presque 18 policiers mourus pour année 2024 là. Ariel avec conseil là. On a des matchs pour venir avec conseil. Elle a des matchs pour venir avec conseil. Oui, tout est posé sous. Ariel avec eux-mêmes. Yeah, exactement. Oui. Mais attendez, conseil lancé Ariel. Conseil lancé Ariel. Parce que lui venait des démarches Ariel Henry. Exactement. Ariel Henry présent en dedans conseil. C'est la cause de gros bataille en dedans conseil là pour choisir premier ministre. Parce que Michel Joseph Martelly, déjà, n'en parlait déjà. Pas le secrétaire général, par les national là. Pas le PHTK qui contrôle le secrétariat par les national. Et il y a goumé, je dis, pour yon prendre primature. Il y a fait gros pression. Parce que yon connaît si yon prend primature, yon peut permettre au moins que projet d'amnistie, que vous tendez qui a parlé à la fin, mais par exemple, les sans fait. Même. Mais pourtant, Michel Joseph Martelly a goumé pour question amnistie. Et c'est pendant que le monde, ça yon, yon te a critique. Les Guy Philippe te parlé de enchaînement, de justice qui pral gen amnistie la donne à la commission vérité. Son paquet hypocrite. Même monsieur dame qui est dans le conseil présidentiel là. Il y a des gens qui t'ont tiré à boulet sur Guy Philippe, le cas de Maurice Jean-Charles qui fait partie du conseil aujourd'hui. Mais, net ça aujourd'hui, il y a parlé amnistie sur l'autre forme. Maurice Jean-Charles parle, docteur Louis Gérard Gilles parle. Je dis c'est vrai qu'il y a besoin de pardon, nous besoin de pardon, qui peut permettre au moins qu'elle cherche pour contrôler la situation. Mais il n'y a pas qu'à faire pour ça. Nous pas qu'à aller au bon matin pour ces autorités ou non. Qu'à faire pèlerinage. Qu'à faire pèlerinage pour mettre les bandits en confiance. Ou pas pendant y a mettre bandi en confiance, bandi a vin plus violent, y a fait beaucoup plus de dégâts dans le pays. Qui hein? Ça dit avec monsieur Damsa comme autorité? Est-ce que vous sentez confortable? Job que al prend dans l'Occident, y a le prend dans le département d'État, Maison Blanche, avec communauté et d'outre-mer. Est-ce que vous sentez confortable? Est-ce que vous sentez à diriger pour Haïti? En pile haïtien, à souffler là, à mourir avec maladie, pas qu'à déplacer quitter pays. Yo montré au pigou intérêt qui gagne. C'est ouvrir aéroport international tout seul ouverture. Parce que compagnie aérienne yo a plein. Parce que y a fait des gros déficits là. Là, son vache à l'équilibre. Faut que l'argent rentre.
gouvernement li gen espoir pour faire quoi dans avion qui a atterri dans avion qui a volé sans yo pas mettre accent sur moun yo cap sorti aux États-Unis cap rentrer en Haïti y a descend dans l'aéroport là qui côté a passé pour y aller la caillou si y a quitté la Tibonite y a quitté Grand Nord pour rentrer Port-au-Prince pour y aller voyager qui côté a passé poste de péage toujours là bandi a crasse à masse les personnes c'est difficile en pile c'est pas avec pelle excavatrice même genre et 400 marozo l'homme sans jour crasse prison civile quoi des bouquets non ça n'a pas gardé Matisse c'est avec machine qui crasse ça c'est n'a pas tout temps oui yo confortable oui quand c'est pour honnête que France LB li là toujours monsieur dame qui le conseil présidentiel yo senti confortable avec France LB yo chita manger avec dialoguer avec toute journée ça pas dit rien ça pas dit rien comme on est ce chef et directeur général de la police de la situation. Il y a gardé, c'est comme son fait normal. Est-ce que le si Voltaire est libre pour permettre que Mounio tende pour nous regarder à peu près la situation? On a gardé avec le si Voltaire. 25 avril, il doit désigner un nouveau gouvernement et surtout organiser de nouvelles élections au plus tard le 7 février 2026. Étant donné la situation humanitaire, la situation sécuritaire en Haïti, est-ce que c'est réaliste? Je pense que c'est réaliste parce que les circonstances nous permettent de penser, d'être optimiste. D'abord, ça fait 3 ans qu'on se met ensemble pour avoir un pouvoir exécutif bicéphale avec une présidence et un premier ministre. C'est arrivé. On a pu se mettre ensemble pour former un conseil. Parce que ce conseil présidentiel qui plus souhait et nous créons une opportunité pour permettre que militants qui sont dans la rue, qui sont dans diverses organisations et partis politiques, joignent un emploi, ou bien créer moyens pour faire comme à gérer propre vie. Par et vu nous avons son conseil présidentiel qui, sans se joindre une carte blanche, qui n'a personne, pas une opposition vraiment. C'est, si pas une opposition, tu as dû commencer à faire sentir sous ensemble de décisions, sous décaissement. Que monsieur dame qui dans conseil présidentiel ça a déjà fait 27 machines achetées pas grand monde connaît qui côté l'argent sorti combien l'argent que 27 machines ça a coûté pour qui ça 27 machines que t'as acheté est-ce que gouvernement t'es là déjà pas gain machine côté machine neuf qu'on connaît qui qu'on dans Ariel Henry est-ce que c'est même machine ça yo fait l'état réacheter encore que moi même ou même on va le payer pas une autre question qui poser sur ça parce que monsieur Jean Boulevard pour y aller. Pas une question qui posait sur 90 millions de gouttes que vous faites se débloquer là dans fête drapeau. Qui ça vous fait avec? Qui côté fête drapeau a été fêté pour 90 millions de gouttes là dépensé? Mais qu'on y a sur route pour 1 milliard de gouttes à débloquer dans la question assainissement. À qui est-ce que vous dépenser l'argent ça? Est-ce que c'est avec même agent exécutif intérimaire qui t'a baillé gang yo tété? Est-ce que c'est pas on l'argent que vous pouvez débloquer pour y aller payer Bandi Olélix en plus? Mais c'est ça que mais c'est ça que on fait parce que qui est-ce qui prend le cap de travail dans ghetto là sous dit on prend faire assainissement dans Matissan ou prend faire assainissement dans quoi des bouquets ou prend faire assainissement dans Gravine ou prend faire assainissement dans Cité Soleil ou prend aller dans village de Dieu ou prend faire assainissement dans Savien dans la Croix-Pérou qui est bon moun yo pas ka fréquenter espace ça yo pas ka traverser route yo c'est bailler c'est kidnapper pour parler de assainissement son équipe mafia qui a pensé peut-être tout simplement par des pièces en rien des pays que monsieur dame ça a pensé. Pi bonnet c'est grand matin, faut que peuple prend responsabilité de cette personne. On continue, quittez mon attendez, Leslie Voltaire parce que c'est pendant il a parlé ou a découvert dans quel niveau que mettre dame yo coquin dans pays. À coordonner le conseil présidentiel étant donné que le conseil présidentiel est celui qui a le pouvoir mais le président du conseil est un coordonnateur et a des fonctions de représentation. Donc vous estimez que des élections pourront se tenir d'ici février 2026, vraiment? Avant ça, je pense que cette année, on va se pencher sur la question sécuritaire et sur la question humanitaire. On va aussi faire une grande conférence nationale, non seulement au niveau métropolitain de Port-au-Prince, mais aussi dans les autres départements et aussi dans la diaspora haïtienne qui se trouve au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. On va avoir une vision sur les 25 ans d'ici 2050
que veut la nation haïtienne, que veut-on venir, devenir comme pays. Et ça rappelle même toi, oui, Laurent Gagot et Haïti Open for the Business d'ici 2030. Mm-hmm. Ça. On va avoir aussi une réforme de la Constitution. Il y a beaucoup de travaux qui sont déjà faits sur ça, pour que la Constitution soit simplifiée. On va avoir aussi la création d'un conseil électoral qui va faire l'inventaire de ce qui existe et surtout un audit de la carte d'Hermalog, qui est la carte d'identité électorale à laquelle on se sert. Il y a déjà 6 millions d'inscrits. À partir de janvier 2025, on commencera avec toutes les opérations électorales. Ça va durer 9 mois. En décembre, on aura l'élection et en janvier, on aura un nouveau gouvernement, une nouvelle classe dirigeante. Alors ça, évidemment, ça c'est la théorie. La pratique, évidemment, ça dépend, vous l'avez évoqué, de la situation sécuritaire. Les gangs, comme on les appelle, regroupés dorénavant dans une coalition appelée Vivre Ensemble, dirigée par Jimmy Cherizier, alias Barbecue, contrôlent d'après la plupart des gens 80% au moins de la capitale. Ils sont désormais mieux armés, mieux financés avec le trafic de drogue. Comment est-ce que vous pouvez déployer cette feuille de route alors que les gangs contrôlent de facto Haïti ? Bon, de toute façon, ils contrôlent de facto, mais c'est une population qui se meurt de faim. Il y a 5 millions d'Haïtiens sur 12 qui sont affamés et qui n'en peuvent plus. Donc il y a une énergie du désespoir aussi. On est en train de lancer un vaste programme de nettoyage de Port-au-Prince, de curage de tous les canaux. Et avec la saison des pluies qui s'en vient, eux aussi, ils vont être inondés. Donc, eux aussi, ils ont intérêt à travailler et que la population voit qu'il y a du travail qui se donne à Haïti. Je pense aussi qu'avec l'arrivée de la force multinationale qui commence à se déployer dès la semaine prochaine, il y a un espoir pour équiper la police haïtienne, pour équiper les mairies, pour commencer à faire ce travail de sécurité. Alors, vous venez d'évoquer le déploiement de cette force multinationale d'appui à la sécurité, comme on l'appelle. Ça a été avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera sous commandement kényan. De combien d'hommes parle-t-on ? Parce qu'on parle beaucoup, en effet, qu'il y a des précurseurs qui sont en train d'arriver. Mais d'après ce que vous savez, combien d'hommes de cette force, surtout des policiers, vont être en Haïti ? On parle d'ici le 5 mois, une force de 2500 personnes. De 2500 ? Spécialisées et équipées et appuyées par la logistique américaine. Et leur mission va donc être d'affronter les gangs, parce que les gangs ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils les considèrent comme des envahisseurs et ils ont prévenu qu'ils allaient les combattre pied à pied. Est-ce qu'on ne risque pas d'ajouter encore plus de violence à celle que les Haïtiens subissent tous les jours ? Leur mission va être d'entraîner les Haïtiens, d'accompagner les Haïtiens, les Haïtiens qui vont se battre. Donc eux ne vont pas se battre ? Eh bien, jusqu'à présent, à moins qu'on les attaque. Mais justement... C'est là, Bagala, dit. À moins qu'on les attaque. Ça veut dire que, Missop proposé, il va aller dans une période de 5 mois, comme si, on est premier trouvé, quand cap vini, cap 2500, et yo pral vini là pour capable participer dans la formation, entraînement, policier, yo, monsieur Lameyo, mais yo pas là pour affronter les gangs, mais c'est si et seulement si m'en dit attaquer. Là, moi, je vraiment pas comprendre. Sinon, il y a des mecs qui étaient, comment, monsieur, c'est la caillou. Parce que si y'a fait tourisme bon, ici, comme au premier temps, j'ai te dit, bon, ok, y'a vint de libérer grand axe routier, nous yo, y'a vint de libérer et y'a vint de contrôler les bâtiments, nous yo, et c'est par là ce que j'ai appris que j'ai dit, ok, j'ai pu participer avec la police à demander les gangs, yo. Est-ce que c'est pour eux, mais ça que t'es dit, là, t'es dit que c'est grand axe routier à venir libérer et c'est bâtiment public qui a venir surveiller. Est-ce que c'est ça, toujours, qu'il y a comme mission? Mais m'a dit, moi, encore, si c'est la police, là, d'ailleurs, d'accord, oui,
que c'est la police dans, avec l'armée pour mener l'opération, dans cette opération, parce que quelque part, c'est eux qui connaissent la réalité haïtienne. Nan. Et eux qui connaissent l'espace, et eux qui connaissent le territoire très bien. Parce que les que étrangers, si c'est eux-mêmes qui sont dans cette opération, ils n'ont pas d'accord que gagne de problème. Parce que, premièrement, ils ne connaissent pas la réalité haïtienne. Ils ne connaissent pas comme si ça n'est les ghettos, ils ne connaissent pas vivre ensemble. Ils ne connaissent pas besoin de connaître si avant que c'est tout le monde qui dérange, ils ont tous ces bandits. Là, on peut comprendre que si c'est policier nous yo qui yo même qui dans tête opération yo, mais il doit accompagner de soldats ça yo. Il doit accompagner des soldats ça yo en couverture. En couverture parce que il est clair que pendant la police va faire pénétration, hein, mais nèg yo pral et papier pral sorti. Mais faut yo connaît les sorti quoi qu'on fait mi fou, hein, mais yo connaît go réponse captain yo. Et m'a parlé avec une autorité. Il dit comme ça, Blaise, est-ce qu'on connaît la sécurité capable de résoudre? Parce que, nèg yo pa m dou bien. Depuis yo al attaqué nèg yo nan fief yo, pas quitter sorti de yo, pas gen le choix, non? C'est entrer al attaqué nan fief yo, pas gen le choix. Mais le fait que nèg a kagete pour le sorti, pour le replier, vous allez faire, et en plus tout, nèg a connaît, li gon se sénateur, li gon se député, li gon se ministre, li gon se président, li gon moun ki nan classe politique là, li gon moun ki nan gouvernement, ki pral rele, ki pral mande, ki pral. Laisse ça, les gars, c'est une force. Et c'est ça, comme une plus grosse bataille, parce que je dis, hein, que bataille contre l'insécurité, j'aime de je dis, lycée bataille contre tout un système, lycée bataille contre un réseau, et pour permettre que nous aboutions avec ça, nous besoin, qui c'est sécurité en la pièce de maintenant. On avance avec Lesti Voltaire. La police, on le sait, est très affaiblie. Certains l'accusent de ne pas vraiment faire son travail, d'être infiltré même parfois par les gangs, par les narcotrafiquants. Il y a un vrai problème de légitimité de la police haïtienne aux yeux de la population. Comment est-ce qu'on peut compenser cela? Bon, je pense que il n'y avait pas de volonté politique. Vous savez que le poisson pourrit par la tête. Maintenant, il y a une volonté politique qui demande à la police de faire son travail. Effectivement, il y a des corrompus dans la police, comme on les appelle des ripoux, et ici, chez vous. Et effectivement, on doit les valoriser en augmentant leur salaire, en donnant des primes à ceux qui combattent. J'ai lu qu'il y avait à peu près 40% de corrompus dans la police. Je pense qu'avec les 60%, on peut travailler très bien. Il y a beaucoup d'unités spécialisées maintenant qui sont prêtes au combat. Il faut les valoriser, les récompenser, donner des bourses à leurs enfants, donner accès à l'hôpital à leurs enfants, leur donner des cartes de débit ou de crédit et pour et communiquer avec eux, montrer qu'ils sont en faveur de la population pour que la population puisse les accompagner. Parce que si la population qui peut aider à renseigner sur ce qu'il faut faire. Alors, on sait que les interventions internationales en Haïti, ça crée évidemment des tensions parce qu'il y a eu des précédents souvent malheureux. Est-ce que vous ne craignez pas que cette force multinationale, si jamais la situation ne s'améliore pas très vite, va faire face à ces doutes, voire à ce rejet de l'intervention extérieure? Bon, je pense que vous avez raison, mais si cet accompagnement à la police donne des résultats, ce sera très 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 bon pour cette force. Mais il va falloir que ces résultats soient rapides et visibles. Et bien, c'est sur ça qu'on travaille. Alors, on a des réunions avec eux et c'est sur ça qu'on travaille. Alors, la question se pose aussi. La question se pose aussi. Que faut-il faire avec les gangs? Faut-il les éradiquer, ce qui veut peut-être dire encore plus de violence, ou faut-il négocier, quitte à accorder une amnistie au nom de la paix civile? Je pense qu'on ne peut pas négocier en état de faiblesse. Si on a de la force, on peut faire plusieurs opérations, les contenir. Démanteler ceux qui sont les plus dangereux, les plus barbares, consolider le terrain sur les lieux qui sont perdus et donner beaucoup de jobs, beaucoup de travail et donner accès aux hôpitaux et à l'éducation, ouvrir les écoles, donner une alternative aux jeunes.
Vous avez tout à l'heure employé l'expression « le poisson pourri par la tête ». Votre conseil de transition, enfin celui dont vous faites partie, fait suite à la démission forcée, il faut bien le dire, du Premier ministre Ariel Henry, qui avait été soutenu par la communauté internationale à l'époque. Il faut quand même le rappeler avant qu'il le lâche. Est-ce que lui doit rendre des comptes ? Eh bien, effectivement, il a un bilan totalement négatif et sur tous les points. Donc, effectivement, il devrait rendre des comptes, comme tout dirigeant. Et est-ce que la communauté internationale ne s'est-elle pas fourvoyée, justement ? On se souvient, il y a eu l'assassinat de Jovenel Moïse, puis Ariel Henry, qui a été soutenu sans véritable base juridique par les États-Unis, la France, le Canada, entre autres. Est-ce que la communauté internationale n'a pas aussi, d'une certaine façon, une dette envers Haïti, de ce point de vue-là ? Oui, j'espère qu'ils vont se racheter. J'espère qu'ils vont supporter à bout de bras ce conseil. Et parce qu'on a à en faire sur 20 mois, tellement en si peu de temps. Et oui, ils doivent se racheter et nous supporter, nous accompagner dans cette tâche gigantesque. Vous venez de le dire, et donc en conclusion, vous dites que c'est une tâche gigantesque. Si jamais ce conseil présidentiel et la transition qu'il est censé mettre en place échouent, quel est le scénario pour Haïti, celui du pire ? Bon, on ne va pas échouer. On est sûr qu'on ne va pas échouer parce qu'on représente toute la nation haïtienne. Toutes les forces vives de la nation sont représentées dans ce conseil. On ne peut pas échouer. Leslie Voltaire, merci beaucoup. Désir. Et question tellement guédant, mais Leslie Voltaire ici sorti quand même. Mais bon, sorti dans la réponse. Et pas sorti dans la réalité. Attendez, dernière question, Leslie. Répondez un petit peu direct et malheureusement, c'est comme ça le répondre. Parce que tout le monde voit que le conseil, dès le début, il saute pour l'échouer. Blaise. Bon, comme il dit, c'est tout secteur, c'est tout peuple haïtien qui est là-dedans et il n'y a pas qu'à échouer. Mais il y a déjà mal parti. C'est vrai échec. Bon ami, tu as une division. Chacun a défendu ses intérêts personnels. Accord. Politique qui a été gagnée, qui était liée avec 3 avril 2024, là, peut-être qui c'est marche de manœuvre, ou bien pour moi qui est capable de permettre de respecter ensemble des dates d'échéance qui n'a pas avancé sur eux. Mais nous déjà pratiquement dans 6e mois, après. Et puis. Mais dans 6e mois. Et puis, il y a arrêté, il y a pensé, il y a oublié. Si c'est 24 à 18 mois que vous gagnez, l'élection que vous gagnez pour vous faire, c'est 7 février 2026. Un président a dû rentrer dans le niveau palais national. Ça veut dire que le processus électoral là, il a dû commencer depuis même avant 7 février 2026. Soit garder ces élections générales. C'est l'élection générale que vous parlez. Il y a besoin de faire élection pour KASEC, ASEC, magistrat communal, sénateur, député. Et il parle de questions de sécurité. Yo parle de référendum. Sécurité a pour continuer son gros morceau. Et nous, ouais, quantité tout la lito KPC dont on fait. Malheureusement, c'est une étape qui est extrêmement importante. Non, mais dans l'interview, ou après que Leslie Voltaire lui montre question assainissement ou kirage, nettoyer canal, et ça, c'est des bagages importants que KPC dont on fait. Mais ça pas plus important que question insécurité. Nous garantissons que Leslie Voltaire. Mais pas sécurité avant pour assainissement, au fait, bode. Ouais, Emilia. Comment on va faire assainissement la zone portail Léogane pendant que bandi a vidé bal en bas? Et comment on va faire assainissement la portail Léogane? Comment on va faire assainissement la zone quoi des bouquets, zone ba konn douya pendant que bandi a vidé bal? Il faut qu'il sécurité d'abord et après ça pour nego entamer bagage assainissement. Bon, dans interview à Leslie Voltaire, il montre que il pral dans saison cyclonique et si assainissement pas fait, il pral provoquer ça qui vient pour avec inondation. Mais si yo normalement jodi mené des opérations non foyer gang yo ba gang yo limite yo on garanti ou Emilia ça qui a parlé a yo pas même dépenser c'est à travers combit capital la nettoyer. Exact. C'est moun yo cap débarquer dans zone pour venir nettoyer sans pas même dépenser comme là. Exact. Normalement
Nous quoi l'argent ça monsieur déjà entendu qui gens qu'il pral libral réparti libral réparti avec des groupes des militants qui ont gagné yo doué récompenser yo qui étaient dans la bataille donc j'aime te dire gagne chef de gang yo qui déjà a planifié qui gens pral joindre contrat par yo c'est en plus fois c'est comme ça gouvernement souvent fait les besoin voyer cop by bandit dans ghetto yo Ariel Henry te gagne 3 millions qui était entendu que était gagoté 3 milliards de goudes 3 milliards, pardon, 3 milliards. La question bagarre apaisement social. Apaisement social. Pour jusqu'à présent, pas de réduction de code. Donc, même bien content. Et, confrère journaliste, il pose la question. Est-ce que pas de gain poursuite pour Ariel Henry? Dans l'ensemble des gargotes qui fêtent pendant la gestion pays. Et, il a mentionné que la communauté internationale a tapé supporté. Ensemble des délits. Il a dit la France, États-Unis, Canada. Est-ce que, très bien. Est-ce que, il n'y a pas lié dans la gargote qui a fait là? Moi vraiment douter parce que c'est même moun sa yo qui derrière conseil présidentiel là ça veut dire il a consolidé pouvoir Ariel Henry il a fait casser faire couvrir ça même pas vraiment douter malgré Leslie Voltaire virer le tourner le répondre pour montrer que Ariel Henry doit rendre compte bon c'est pour l'opinion son réponse qu'elle bail pour l'opinion parce que c'est même moun yo qui là Ariel il a changé jouet machine n'a pas changé l'huile. Yo changé l'huile dans la machine. Mais c'est même moteur. C'est même carrosserie. C'est même cabine. C'est même machine. C'est même équipe. Équipe là, c'est jouet qui sortit là-dedans tout simplement. Mais c'est même équipe là sous terre, la situation. Et deuxième, je regarde avec Andy, il est mon personnage. Je viens avec Dinao Frisnel, qui est même si Andy, papa au niveau national. Non? Monsieur qui parlait puisque pas oublier révélat il pas bail vague lui-même il pas bail vague dans question bail qui est pour avec question et conseil ça et eux même c'est dans révolution yo et encore il y a encore sensibilisé il y a encore mobilisé il y a encore motivé ça ne capable briller et population haïtienne non dans question ça des Ivenes en nous essayer regarder comment que nous capables exactement en soi permettre nous entendre Dinao Frisnel qui c'est pas parole rivière nationale qui a parlé en détail sur ça. Rivière nationale pour la souveraineté d'Haïti, sommes réunis ici pour dire au peuple haïtien qu'au stade où nous sommes, son destin est entre ses mains. Et nous promettons de l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti constate que tant le serpent à sept têtes et de cornes que la communauté internationale à travers CARICOM se sont unis pour mépriser les convictions du peuple haïtien qui lutte pour reprendre ses droits souverains. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti est surpris de voir comment le Kenya, un pays du continent africain, par le biais de ses dirigeants, a décidé de s'engager dans le jeu des Occidentaux pour venir légitimer l'occupation ici, continuant à piétiner notre souveraineté tout en défendant leurs propres intérêts. Peuple haïtien, Réveil national pour la souveraineté d'Haïti vous dit de rester fort, motivé et toujours confiant dans la bataille pour la souveraineté. Un jour viendra pour nous, nous aurons l'occasion d'ouvrir une autre page de notre histoire. Aujourd'hui, le monde constate que les forces obscures et les grandes puissances impérialistes, complices du régime en place depuis longtemps, luttent pour ridiculiser l'idéal des Saliniens. Nous guident vers un carrefour où une force étrangère représente la seule solution pour nous, tandis que les douleurs des forces passées restent toujours dans nos mémoires. En ce sens, nos ancêtres se sont combattus dans un seul objectif pour que nous puissions être libres et envoyer un signal de liberté partout dans le monde jusqu'à ce qu'elle devienne un virus pour tous les peuples que les puissances. Yo fin acheté terrain, yo fin connaît les matchs des manœuvres, rentrer et sortir. Et moun qui l'a d'ailleurs puissant pile, yo gain en pile l'argent, yo gain en pile pouvoir. Mais ça a lui besoin que vous rentrez dans l'université. Hein? Il y a besoin que vous rentrez dans l'école classique, il y a besoin tout que vous rentrez dans la structure organisationnelle, il y a besoin que vous rentrez dans le parti politique, il y a besoin que vous rentrez dans l'église. Pour aller montrer les gens, pas appliquer la situation que nous vivons là,
pas de pièce, peuple au monde, cap d'accord pour un groupe monde, hypothéquer la vie dans sa salle. Sur ce point, nous croyons que Dinarov est correct et on doit continuer avec les flambeaux. On joue petit et petit, yo, après de comprendre que vous êtes dans un combat pour un pays que un groupe monde décide de mettre main dans le peuple. Il y a besoin d'exterminer le peuple, il y a besoin de faire le peuple lever parti qui est pays à sans destination. Pour d'ailleurs, crème de crème pays a lever parti déjà. Et dans ce qu'a décrit là, c'est pral les pires, les personnes, si pas rien qui lui fait. Rappel, sous ça, sous ensemble des dégâts, que ministre de qui fait en dedans pays, hein? Non, il y a réel. Jusqu'à présent, on a parlé de choléra toujours. Jusqu'à présent, on a parlé de jeunes garçons qui ont des ghetto avec des âmes dans les mains. Parce que, songez, point fixe ou espace de travail, plusieurs contingents des ministres en dedans Cité Soleil, dans Belé, au paquet de jeunes femmes, t'es tombé enceinte. Pour jusqu'à présent, petite sao et petit monde sao était sans papa, en pile dans yo gen zam nan men yo la. C'est pour ça qu'en pile monde, gade yo, c'est des victimes sociales qui pral besoin de réparation. Malgré tout ça, Nations Unies, pas j'en entend, pour dire rien sur question ça. Ouais, on paye nègre, yo entend yo, comme c'est nègre, c'est noir ak noir, yo entend avec Kenya, qui pouvait une fête, job sale là pour yo. Mais c'est toujours eux même. Yo déclaré c'est une mission ou bien une force non onisienne. Mais pour qui paye yo? Qui côté yo fait yo passer avant? Il a passé dans siège. Qui est-ce qui entend? Qui t'a essayé d'autre? Regardez résolution 2699 là. C'est Nations Unies. C'est même moun yo. Il a venu sous l'autre forme. Mission yo pas jamais fini. Yo toujours une mission qui commence et qui doit continuer. Yo toujours à faire élève. Malheureusement, nous pas des autorités, nous pas des patriotes, nous pas des citoyens honnêtes qui vivent au petit monde des affaires qui pour réclamer droit peuple là. Et peuple là lui-même tout, lui était là pour observer, lui mettait espoir sur deux trois grands monde qu'elle pensait qu'après le revendiquer pour lui malaison les aller, il pas revendiquer pour peuple là, c'est peut-être revendiquer la situation. Des secondes, l'autre bataille toujours qu'a fait la bataille pour question et un pile nèg qui a cap joffé le premier ministre Mario. Bon, Blaise, bon, c'est triste, un pile. Nèg fait promotion. Nèg fait promotion même genre de nèg dans l'élection. Parce que chaque temps, il y a dans la presse. Chaque temps, il y a une élection liée, frère. Élection liée, c'est pas élection à travers les unes que comme si décidait à voter. Même si oui, Blaise. Si oui, il a fait campagne et tout. Qui a fait campagne ça? Qui veut dire, qui a fait campagne ça? Non, non, tout est raison, mon cher. Si vous êtes un bon candidat. Si vous mettez genou la tête, il s'est menté. Si vous n'avez pas menté. Si vous êtes un bon candidat, bon candidat pour devenir premier ministre. Moi, je me pose cette question. Si tu es un bon candidat pour devenir premier ministre, je me pose cette question. Ensemble, nèg sa yo, ak fòm sa yo, que mon paquet militant a accompagné yo, à la villa d'accueil ak yo, dans l'idée pour y aller déposer pièces. Il y a un pilote tout qui est intelligent, qui pas quitter figure paraître. Il fait l'enligne. Il fait l'enligne. Ou dis-moi, est-ce que il y a délégué un groupe pour aller poser ça pour vous? Bon, ou contre ça qui triste, c'est là où un groupe jeune décide d'aller dans la villa d'accueil ou pense que ce dossier un jeune petit garçon qui n'a mis tant yo et il y a le déposé tout, attendez, c'est pour regarder d'où calé. Il y a le déposé pierre. Mais qu'est-ce que gars connu, non? Mais le fait zin. Oh! Organisation qui désigne, Gaï Koni, ZPT entre eux, Dominique Sételoi, Sacré Démis, M. Bojé Gep. Moi-même, Baba offre aucun nec ici, là, pour la plateforme qui m'a là, qui s'est mis à nouvelle ensemble de médias, vient faire promotion, sondage pour nec. Mais depuis son acte, parler de un. Ma passe moi-même. Oui, c'est clair. Non, Baba ne fait promotion pour aucun nec à bosser candidat là. Au contraire, je suis allé à l'interview avec un questionnel. Je dis, je suis allé à mais on est capable de faire promotion là, comme si, on pas venir jouer une belle avec faire promotion pour quelqu'un là. Mais on est qui décide de parler, il s'est dit, il a dérangé, il parle. On a les Dominique Sételoi. Vous voulez, yo, paysans, yo, moun quartier populaire, yo, en plus de secteur dans le pays, yo pas accepté yo moun qui caché dans pays étranger et pour venir imposer. Il y a un exil mais il a accepté comme premier ministre. Gary Koni, tout le monde connaît que c'est employé